Bonsoir et bienvenue chez PALF. Bonsoir. Merci les gars pour cette intro. Désolé. Il n'y a pas de quoi nous remercier. Désolé pour cette intro. Bon, on l'a entendu, c'est une vidéo dédiée aux enveloppes filters. Oui. Fort bien. C'est dans le titre. Jusque là, ça devrait... T'as dire s'ils ont cliqué à un moment donné. Non, ouais. Mais suis un peu... Bon, alors l'enveloppe filter, on va parler de qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment en régler un... Et où l'acheter? Quoi choisir? Okay. Oh, où l'acheter? On garde ça! Bah, c'était, je pensais à comment choisir, mais où l'acheter? Bon, vous savez, c'est pas le point FR. Bon. C'est la réponse est. Voilà. Ah! Bon. Est-ce que vous avez fait votre Wikipédia avant cette vidéo, les gars? Oui. Absolument. Ah! Premier enveloppe filter? Mutron 3. 1972, Monsieur Bagel. C'est pas vrai? Bien sûr. Ouais. Oh, ça c'est beau. Voilà. Quand même. Oui. Ça c'est beau. Ton tour. Ah ouais, carrément. Okay. Bon, en gros, l'enveloppe filter, oui, c'est créé en 1972, effectivement, par Monsieur Bagel, parce que j'ai plus du tout son prénom. L'idée, c'est que ça a tout de suite été repris, enfin, ça a eu un succès assez fulgurant chez certains musiciens, Bootsy Collins, par exemple, à la basse. Stevie Wonder. Stevie Wonder, bah, le légendaire, ça y est, j'ai plus le titre, Higher One. Où il le fait au clavinet là, ouais. Avec son énorme enveloppe filter. Tu veux qu'on branche dedans? Tout à l'heure, surtout, j'ai joué trois fois trop vite, donc c'est un massacre. Mais toujours est-il que c'est quelque chose qui a fonctionné directement. On a, si tu veux, eu plein d'enveloppes filter. D'ailleurs, il a été réédité un peu différemment en 2004. Je crois, mais toujours est-il que l'enveloppe filter, c'est un peu comme le chorus, c'est l'effet que tu as un peu honte d'aimer, tu sais. Ouais, je pense que pour un bassiste, pas trop quand même. Ouais, pour un guitariste, un guitariste, ouais, c'est particulier. Aujourd'hui, t'as un espèce de revival de l'enveloppe filter dans tout ce qui est new soul, hip-hop, les trucs comme ça. D'Angelo, c'est blindé d'enveloppe filter, enfin d'effets comme ça. Et puis bon, mais j'ai l'impression que pour un bassiste, par contre, c'est un peu le classique quand même. Ça fait partie des classiques de la basse qu'on retrouve sur plein de pedalboard de plein de bassistes. Parce que c'est hyper fréquent dans la funk, il y en a plein, partout, tout le temps. Chez les Red Hot, chez Bootsy, chez tous les grands bassistes de funk. Puis c'est vachement sympa comme effet, hein. On l'entendait sur ta basse, t'as vraiment ce côté claquant, genre waouh. Ouais, et puis ce qui est cool, t'as un truc qui te monte, qui tape sur la gueule, quoi. C'est ce qui est hyper cool, c'est que c'est un effet qui est expressif, qui réagit à l'attaque. Oui. Donc on peut vraiment, avec la main droite, doser en fait la quantité d'effets. Et ça, c'est cool. Il n'y en a pas beaucoup, des effets comme ça à la basse. Et donc, c'est aussi pourquoi c'est difficile à régler. On va en parler. C'est touchy. Comment ça se règle et comment ça marche? En fait, je pense qu'il faut comprendre les deux pour arriver à bien le faire. Tu vois, comment ça fonctionne, toi, un enveloppe filter? Techniquement, on a compris qu'un enveloppe filter, c'est quelque chose qui va détecter ton attaque. Et qui va jouer sur ton son par la suite. À l'inverse d'une auto-wa. Une auto-wa, c'est même différent, une wa, en fait. Bah oui, c'est pour ça. Alors, en fait, si on veut, oui, on peut dire que... On confond souvent les deux enveloppes filter. Il y a le filtre, un filtre. Voilà, un filtre. Un filtre, c'est quoi? C'est quelque chose qui va faire passer des aigus ou les couper. Mmh. Alors, c'est pas vraiment ça. Un enveloppe filter, on va utiliser ce qui s'appelle un passe-band. Mmh. Et on va venir amplifier avec un facteur de qualité souvent important, une fréquence. Et on va déplacer cette fréquence. Quand tu dis le facteur de qualité, c'est sur le Q qu'on trouve ici, par exemple. Le Q, c'est la largeur de ton pic. Okay. Souvent, tu vas avoir un passe-band très sélectif dans un enveloppe filter, et tu vas venir déplacer cette fréquence. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends. Je n'ai jamais étudié un schéma d'enveloppe filter. Bon, ce qu'il faut comprendre, en gros, dans un enveloppe filter classique, c'est quand tu vas taper fort, tu vas récupérer des aigus. Oui. Et quand tu tapes pas, l'enveloppe filter ne se déclenche pas. Et comme je viens très bien de l'expliquer, je pense qu'il y a une multitude de façons d'approcher le sujet, en fait. Okay. C'est pour ça que quand tu regardes tous ces enveloppes filters, il n'y en a pas un seul qui a les mêmes réglages. Ouais, c'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Ouais. Parce plus il y a de potards, plus c'est fatigant. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Déjà, tu as ce qui s'appelle détecter l'attaque. Oui. Ça, c'est souvent le potard de sensibilité. Ouais, là on l'a. On l'a. Là en on gros, l'a. Là on l'a. Oui, sensibilité, sensitivity, je sais pas que voilà, en anglais je pense c'est très chaud, ça compte ou pas pour le guitar, je pense aussi, ouais. Okay. Donc on l'a un peu partout, non? Celui-là, ouais, t'es censé l'avoir de partout, okay. Il est essentiel. C'est celui qui va jouer sur ton détecteur d'attaque. Okay. Voilà. Donc le fait d'attaquer fort ou pas. Thank you.
tu es maintenant un canard écrasé. Bon, on a très vite compris que ce potard, plus tu le mettais fort, plus facile le filtre s'enclenchait en fait. Ouais. Et on entend bien un changement de fréquence finalement quand le filtre s'enclenche. Ah oui. Parce que là, ce qui est bien avec cet MXR, t'as bien fait de l'utiliser celle-là, c'est qu'en fait tu peux péter le dry et avoir que l'effet. Oui. Donc t'entendais que quand la porte s'activait pas, donc la porte, ce que j'appelle la détection de l'attaque, en fait t'as quand même un son qui sort de l'enveloppe filter. Mm-hmm. C'est juste qu'il est très bas. Ouais. Et dès que tu l'actives, il va vers les aigus. Ok. Donc c'est bien un changement de fréquence. Mm-hmm. Ok. Ensuite, on a plein de réglages. Bon, là, le dry wet, ça, vous comprenez, on en utilise souvent. Là, decay EQ, alors, c'est propre à MXR. Pour toi, le decay, ça veut dire quoi, ça? Tu sais ou pas? Non. On va l'écouter. Sur un... Viens, je le mets à zéro, tu refais pareil. Je te mets la sensibilité à midi. C'est quoi le temps qu'il va mettre à parcourir? Moi j'ai l'impression que c'est un mix entre un attaque et un release. Ok. C'est à dire que si tu attaques fort pas longtemps, ça va pas déclencher. Ouais. Tu vois, genre, regarde, là c'est très rapide. Oui, c'est ça. En fait, c'est le temps qui m'a monté. Oui, c'est ça. Ou le temps de monter, tout simplement. Ouais, le temps de monter. C'est juste le temps de monter et de descendre, du coup. Ok. Le Q, ce que je disais, c'était la largeur de bande. Okay. Donc, tu vas avoir vraiment un son très, très, très tranchant. Ok. Sur un EQ, il faut vous le représenter comme la bosse qui va se préciser de plus en plus. Le pic va devenir de plus en plus précis, de plus en plus pointu, de sorte que ça va vraiment taper quand ce sera à fond. C'est ça. Voilà, mais c'est pas inintéressant ça. Donc en fait, t'as pour moi deux façons. C'est presque un tone en fait du truc. Ouais, c'est en fait, tu vas vraiment avoir un truc pointu. Ouais. Donc là, c'est un truc genre, quand je l'utilise, vraiment vous allez l'entendre. Mm-hmm. Ou un truc un peu plus large qui va englober le signal. Bon. Voilà, je pense qu'on a fait une bonne introduction de cet effet. Mmh. Maintenant, votre objectif, les gars... Ça va être de comparer tout ça. Voilà, vous allez comparer ça pour voir qu'est-ce que vous préférez sur vos instruments respectifs. Et si on a de la chance, on trouve aussi un effet... Ouais, genre vous avez la réponse. Oui. Bon, et si on a de la chance, on trouve un effet qui convient aux deux. Oui. Bon, bah allez, je vous laisse travailler. Oui. Salut. À la guitare, c'est un effet qui forcément est assez caricatural, on l'a dit, mais moi j'aime bien. Qui l'utilise ? Je pense. En fait, à part John Mayer. Voilà, à part John Mayer. Dans son... Non, mais justement, je pense à Tom Misch qui utilise énormément ça. Oui. Beaucoup de gratteux en hip-hop, en R&B, New Soul, des trucs comme ça utilisent ça. En funk, paradoxalement, je l'ai moins vu, en tout cas récemment. Parce que c'est beaucoup. Parce que c'est vraiment les basseux, les claviers aussi, pas mal. Ouais. Les claviers ont beaucoup ça. Ouais. Mais c'est vrai que, alors qu'on pourrait penser que c'est ultra funky, ça l'est, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est rarement le guitariste qui va sortir l'enveloppe filter. À la limite, l'auto-wah la wah-wah directement en général. Bref, là, on a 5 enveloppes filter différents, dont un qui est plus proche de l'auto-wah, effectivement. Mais on l'a tellement. Mais quand même. On l'aime tellement, celui-là. Je te propose qu'on fasse un petit tour déjà à la gratte. Ouais. On va voir ce que ça dit. Donc là, tiens, je vais essayer ton réglage de basse après dessus, ça va être le bordel. Dont un effet d'ailleurs qui est normalement vraiment pensé pour la basse. Hein, deux d'ailleurs qui sont vraiment pensés pour la Aguilar basse. Ouais, le Aguilar et le MXR qui sont à la base des pédales de basse. Je vais voir comment ça réagit. Allez, on y va. Donc d'abord, le Artemis de Spaceman. Oula. Celui-là, il a plein de modes, plein de choses. Là, on l'a utilisé vraiment dans son... C'est le premier de mode, hein, de mémoire, ici. En mode enveloppe filter. Donc, mon son clean. Et en carré, ça ira mieux. On la refait. Thank you.
Là, on est sur un enveloppe filter qui a une particularité, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a détecté la fréquence, qu'il a vraiment ouvert la porte finalement, si je la tiens, il va la moduler légèrement. Enfin, légèrement, en tout cas là. Voilà, ça va être le premier. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un... Nous, on a un peu joué autour, mais qu'on fasse un petit tour, vraiment, ouais. Un par un. Personnellement, l'Artemis, il est complexe à utiliser. Je le trouve complexe à utiliser, ouais. Mais il sonne pas trop mal. Là, on a le résonance et le sensitivité, le sense à fond, pour ouais. Le coup. Ça, c'est ma guitare qui, en général, a un bas niveau de sortie. Oui, du coup, c'est normal. T'es obligé de pousser, ouais. Voilà, ouais. C'est moi qui, en général, les sensitivity, je les monte parce que j'ai un très bas niveau de sortie. Donc, ne prenez pas peur quand vous verrez les réglages de ça. Maintenant, on va arriver sur un envelope filter autowack que moi j'utilise, j'ai utilisé énormément et que j'adore, qui est ma référence dans ce genre de choses, avec la Green Zapper de Henretta Engineering aussi, qui m'a été offerte par notre ami Julien. J'adore ces deux. Bonjour Julien. La Snow White Ottawa, c'est celle qu'on voit vraiment quasiment partout en général chez les gratteux. Ok. Il y en a d'autres, mais celle-ci, c'est une référence absolue. Je sais pas quand elle est sortie, mais elle a un petit switch guitare-basse. Qu'elle n'avait pas avant. On peut bien se douter que c'est quelque chose qui va nous être plutôt utile. Je vais remonter la sensitivity, avec à peu près de mémoire. Je le réglais plus comme ça, mais on va voir ça. Fa majeur, ça va rester ça, Fa majeur. Ce Snow White Ottawa, pour moi, c'est quand je pense à un envelope filter et à ce genre d'effet, c'est vraiment à celui-ci que je pense. Je l'utilisais, alors attends, je vais essayer de te retrouver ça très rapidement. Je l'utilisais de manière un peu caricaturale pour ce riff justement de Letus. Fa majeur. Voilà, ça c'est... Bon, je vais pas dire que c'est mon petit préféré, j'ai pas essayé les trois autres, mais c'est celui que j'ai le plus utilisé. Alors après, on arrive sur les deux qui sont vraiment pensés pour basse au départ, donc là je suis très curieux. Tu veux bien me tweaker un peu le jazz pendant que je procède ? Vas-y. Ah, attends. Ah, c'est trop bien. Vas-y. Ça marche très bien ça. Ah, ça marche très bien, je m'y attendais pas du tout. Alors là, t'as envie de faire du D'Angelo, des trucs comme ça. Continuons dans notre petit tour, le filter twin d'Aguilar. Donc pareil, pensée pour basse, Aguilar, c'est vraiment là. C'est une énorme référence en basse pour le compresseur notamment. Le compresseur, l'octaveur, les drives. Les têtes d'ampli. Surtout les amplis. Les amplis. Mais attendez. Mais pareil, c'est génial. Mais oui! Est-ce qu'on peut déjà dire que les enveloppes filter pour basse marchent mieux à la guitare que les enveloppes filter pour guitare? Mais c'est quoi ce truc, la filter twin, tout à midi? Ouais, d'accord, un petit peu plus en haut. Alex ne voulait pas la mettre. C'est pas complètement vrai, cette affaire. Mais si, si. Tu sais ce que tu refais? Tu fais une version de Hendrix en mode...
Pas mal, là. Ça marche. Non, mais ouf, attends ouais. Mais c'est quoi ce truc? Oh là là! Ah, j'aime vraiment beaucoup. Là, tu vois, j'ai commencé la vidéo en disant ouais, le Snow White, c'est mon non, préféré et tout. Non. Bah non, c'est le Hagrid. C'est faux. Voilà. On teste la dernière? On teste la dernière. Je connais pas du tout la dernière. Non, alors là, on est sur du Solid Gold. Oui, ouais. Solid Gold. Je me disais, je la connais en plus. Elle est mortelle. Ouais, alors celle-ci, on l'avait déjà essayé une fois. Je sais plus si ça avait été filmé ou pas, mais on l'avait branché. C'était complètement débile aussi. Hein. C'est marrant, celle-là, elle a un côté beaucoup plus vocal ouais. que j'aime beaucoup. Mm-mm. Par contre, je trouve que elle va trop. Elle va trop. Elle va trop dans les aigus. Ouais, et peut-être. Tu vois, le réglage de fréquence, alors, faut bien y toucher, ouais. mais par contre, elle a un côté vocal que je trouve trop cool. Ça, c'est, je pense que sur la basse, ça peut être très sympa, vu qu'elle va un peu dans les aigus. Carrément. Et bah, alors, déconne, mais vraiment, ma préférée, c'est la Aguilar, là, pour l'instant. Bah, franchement, c'est celle qui sonne le mieux. Ah, la bah, guitare, là, c'est... Aguilar, la guitare. En même temps, il faut savoir un truc. Les bassistes... C'est beaucoup plus important que les guitaristes. Et c'est plus intelligent. Oui. C'est vrai. Du coup, on va essayer tout ça à la basse. C'est parti. Ben, dans le même ordre que toi. Allez, l'Artemis en première. Pas mal, pas mal. C'est intéressant, c'est vraiment c'est complexe à appréhender. Je pense qu'une fois que tu as ton réglage, tu n'y touches plus jamais de ta vie. Ouais. Si tu commences à mélanger un peu les différents sons, en fait, en général, quand j'utilise un envelope filter, je veux avoir un boost de volume et pas de dry wet parce qu'en fait, c'est des fréquences qui se perdent après dans un mix avec les guitares, les cymbales, beaucoup. Donc en fait, il faut vraiment avoir un boost de volume et pour entendre l'effet et pas de son clair parce que sinon, en fait, le son clair l'emporte toujours quasiment sur l'effet. Et du coup, bah là, on entend toujours quand même le son clair. Et moi, c'est le truc qui me dérange un peu. Donc, je pense qu'il faut fouiller vraiment. Là, il y a beaucoup de boutons, il y a beaucoup de possibilités. Je pense qu'il faut vraiment fouiller dans la pédale pour voir ce qu'on peut en sortir. Très bien. Allons sur la Snow White. Ouais. Alors, la Snow White, grand pour classique. Le coup, elle a voilà, le switch guitare-basse, comme on disait, qui évidemment va adapter notamment la sensitivité et des choses. Bah, c'est parti. Thank you.
C'est pas mal. Mais on l'entend presque pas en fait. Même remarque que sur l'Artemis. Ouais, ouais, ouais. Il y a toujours le son clair. Alors faut voir s'il n'y a pas des trimpots à l'intérieur et tout, voir comment régler ce truc là. Mais. Je t'ai repassé sur guitare à un moment donné. Ouais. Ça te bouffe un peu les basses, mais. Mais c'était pas. Remets sur basse. Ouais, ça marche mieux sur basse. Quand même. Ouais, on préfère. C'est étudié pour. Ok. Le mixeur. Alors là, on arrive sur les deux grands classiques, ouais. Du coup, qui sont faits pour la basse au départ. Donc là, je vais te virer le. Attends, je vais laisser comme il est, puis après, je te virerai le dry. Majeur. Ça c'est pas mal. À voir que là-dessus, c'est pas un dry wet comme on a l'habitude de les avoir, mais c'est un volume du dry, volume du wet. Donc mettez pas le volume du wet à fond, vous allez avoir une surprise. Vous allez avoir une surprise. Des bonnes surprises. Ok, le Aguilar, mon nouveau chouchou. Ouais, bah voilà, en même là, temps c'est trop bien. Moi j'aime bien. Bah ouais, on bah y ouais, est forcément, on y est forcément. Ça marche. Puis, filter twin et puis quatre boutons quoi. Bah voilà, quelque part est-ce que quand même quoi. Ouais. Puis il est beau. Il est beau. Allez, hop, suivante. On resterait. T'es sûr que tu veux essayer la dernière? Ouais, moi ouais, parce qu'elle me paraissait Allez, bien ça. Vas-y. Est-ce que tu peux me réduire la vitesse? Bien. Ouais.
Ce que j'aime beaucoup chez celle-là, c'est qu'il y a vraiment un parti pris au niveau du son. Elle a une couleur très particulière. Si on n'aime pas, bah tant pis. Mais par contre, si on aime, c'est vraiment. Je trouve que c'est celle qui a le plus de caractère. Complètement. Ouais. Et puis, je trouve que c'est celle dont, dont les potards réagissent le mieux aussi avec la Aguilar. Complètement. Vraiment, là, j'entendais, tu m'as dit moins de vitesse, j'ai fait ok, le depth marche vraiment direct, le color aussi, évidemment, la fréquence et tout. Ah, celle-là, c'est vraiment une très très bonne surprise aussi. Elle était pas mal à la gratte, hein, de mémoire. Ouais, ouais, bah, je pense qu'on. Enfin, on est à peu près d'accord. Combien ça coûte tout ça? L'Artemis. L'Artemis. C'est le juste prix. 344. La Snow White. 199. Joli. La MXR. Pareil. 199. La Aguilar. 299. Ah, il était bon tout à l'heure. Ouh là 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 là. Et la Supa Funk. 195. D'accord. 299, 195. En fait, 200 ou 300, quoi. T'as 500 balles. Bon. Une petite sélection personnelle. Ouais, je pense qu'on est très d'accord pour. Donc on en choisit deux chacun, bah c'est ça? Bah ouais, voilà, moi j'allais dire on en choisit deux chacun. On choisit les mêmes. Bah on prend... Alors, dis-moi, en fait, s'il te plaît, j'aimerais que tu me dises lesquels sont tes préférés et pourquoi c'est la Aguilar et la Supa Funk. Ah non, tu vois, moi je serais parti avec la Aguilar et la MXR. Ouais, en tant que gratteux, je crois que j'ai préféré la Supa Funk pour la petite couleur. Mmh. Parce qu'en fait, dans la MXR, je l'ai trouvé super, mais la Aguilar dans le genre l'a éclipsée à la gratte. En fait, c'est vrai que, bon, pour le coup, la MXR et la Aguilar sont assez proches. Ouais. Entre les deux, je préfère la Aguilar, je crois. Et c'est vrai que la Supa Funk, elle a un grain vraiment particulier qui peut être intéressant. Donc les deux peuvent être complémentaires. Si on pouvait se payer le luxe d'avoir deux enveloppes filters sur un pedalboard, et ben on aurait ces deux-là. Donc ouais, moi c'est Aguilar et puis ouais, MXR et Supa Funk, on va dire, à égalité. Ok, super. Ouais. Bah, ce sera Aguilar Supa Funk, effectivement. Ouais. Dites-nous dans les commentaires, quel est l'enveloppe filter ou l'autowa. On reviendra sur les autowa, mais... Dites-nous déjà, dans un premier temps, lequel vous utilisez, lequel vous préférez, et encore une fois, pourquoi c'est la Aguilar. Moi, j'utilise depuis des années... Le HX Stomp. Non, alors, celles qui sont dans le HX Stomp sont ouf, sont très très ouf. Moi, j'ai la Source Audio Manta Bass Filter. Ouais, t'as pas déconné, là. C'est la pédale la plus moche de l'histoire des enveloppes filter. Mais... C'est un truc numérique avec des presets où t'as aussi des phaseurs dedans, des trucs chelous. Mais par contre, elle est hyper complète et tu peux faire en fait tout ça. Tu peux faire ça avec. D'accord. Alors, je crois que c'est plus fabriqué. Ils ont sorti des nouvelles versions, il me semble, mais dont je suis pas hyper fan. Après, c'est très moche, quoi. C'est vrai que la Aguilar, c'est sexy quand même. La Aguilar, elle est belle. Elle est très sexy. Elle est très belle. Donc voilà, mais sinon, ouais, Aguilar. Aguilar. Bon bah voilà. Donc du coup l'Aguilar, Alex, combien? 299. T'en as beaucoup en stock? Une de moins. Je crois que j'en ai une pour vous deux. Non, j'en ai qu'une seule, je crois. Eh bah elle sera pour Swan. Non, pas de thune. Bye.